Auteur-compositeur de talent, grand amoureux de jazz, il est aussi connu pour sa musique que pour ses formules érotico-romantiques. Jeune maman, elle chante l'amour et la vie avec brio et revient avec son troisième album, Et puis juin. Ce matin, Hebdo Music Mag prend le petit déjeuner avec André Manoukian et Rose. Mon premier geste le matin, c'est de voir si j'ai bien réintégré mon corps. Parce que des fois, pendant la nuit, je fais des incursions dans le monde astral. Je vais un petit peu visiter d'autres galaxies et tout. Et des fois, je peux me faire choper par un trou noir. Donc, quand j'arrive, je suis « Ah ouais, c'est bon ». Le premier geste, je vérifie ma voix. Je fais je fais quelques exercices orthophoniques juste pour voir. Parce que comme j'ai des petits soucis parfois, il y a des moments avec et sans. Je prends la douche sous Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, tout ça, ou alors sur des nouveautés qui se passent. Et donc, c'est une musique qui est juste formidable, pas seulement pour se réveiller tout le temps. C'est quoi, le jazz, c'est la musique qui m'anime, qui me passionne et qui me stimule. Un bon Stevie Wonder, par exemple, ou Phoenix, ce genre de morceau, un petit peu avec beaucoup de basse, on va dire, et de batterie, et très lumineux. Non seulement c'est un moment qui est inspirant, mais c'est le moment qui est génial parce qu'on est vierge encore. C'est-à-dire qu'on n'a plus entendu de son et dès qu'on pose les mains sur le clavier, on fait waouh. Le matin, pour composer, c'est essentiel. Pas du tout pour créer. C'est un super moment, je trouve, pour faire le tri dans ses affaires et pour organiser sa vie. Sous la douche, j'ai plutôt tendance à ouvrir la bouche, à laisser l'eau rentrer comme ça, à faire des genres de borborygmes, des vocalises, des, comment on appelle ça, des gargarismes, mais à essayer de jouer plutôt avec l'eau et à faire des sons un petit peu. Je profite de la douche pour, au lieu de chanter, pour faire ces petits exercices de réveil vocal. C'est Yoon Sun Na, chanteuse de jazz d'origine coréenne qui vit en France. C'est renversant, c'est magnifique, c'est sublime, c'est la classe totale. Bright copper kettles and warm woolen mittens. Le deuxième album de Lily Wood and the Pricks, The Fight. Donc c'est encore pareil, un truc qu'on met le matin, et exactement comme j'aime, avec des vraies mélodies. Et je pense que cette fille a une voix hors du commun. Je ne sais pas pourquoi, là, je pense à Arthur Rubinstein. Parce que non seulement c'était un immense pianiste classique, mais il aimait la vie, il était complètement habité. Avec Alain Souchon. C'est un petit peu mon rêve. Non, mais parce que voilà, c'est une personne avec qui j'ai envie de discuter, avec qui j'ai envie de chanter, avec qui j'ai envie de rigoler. Si tu m'entends, Alain, je suis prête pour un petit déj.